Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans cette autre édition de votre programme Le Point. Dans cette édition, nous allons échanger sur l'économie, mais précisément de l'investissement. Avez-vous déjà entendu parler justement de la théorie de l'investissement? En tout cas, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Assoumou pour échanger sur la théorie de l'investissement et ce qu'on peut tirer d'utile pour vous également qui nous regardez. Bonjour professeur. Bonjour cher ami. Professeur, peut-être avant de parler de la théorie de l'investissement, une question qui nous vient à l'esprit. Généralement, on entend qu'il est possible de devenir riche en vendant les arachides. En vendant les arachides. Est-ce que c'est possible? Bon, ça dépend du type d'arachide dont il est question. Oui. Mais logiquement, quelqu'un qui fait du porte-à-porte pour vendre des arachides ordinaires, il lui sera difficile d'être riche. Oui. Donc, ceux qui deviennent riches par pur hasard sont rares. La richesse se construit. Il n'y a pas un investissement suivi, par exemple, pour devenir, pour se faire de l'argent à partir de... Non, si, pour se faire de l'argent, quand c'est un processus qui est cohérent, oui. C'est-à-dire quelqu'un a un projet qu'il va maturer, oui. Il va le mettre en œuvre, il va le réaliser, il peut devenir riche. Oui. Alors, il se trouve qu'il y a d'autres préoccupations, parce que ce n'est pas le fait d'avoir maturé un projet que pour autant on va le réaliser. Oui. Il y a des préalables, il faut pouvoir le financer. Et les financements ne sont pas toujours aisés à avoir, parce que il y a des garanties que plusieurs porteurs de projets ne peuvent pas avoir. Donc c'est un peu compliqué. Pour ça, nous parlons de la théorie de l'investissement. De l'investissement, oui. Que stipule la théorie de l'investissement? Alors là, je vais être un peu, je peux dire, je vais emprunter des éléments gnoséologiques, oui. C'est-à-dire la science pure, oui. Pour répondre à cette préoccupation. Oui. Quand on parle de la théorie de l'investissement, il faut distinguer deux environnements. Oui. L'environnement qu'on qualifie d'environnement certain, oui. Et l'environnement qu'on qualifie d'environnement incertain. Incertain. Donc, les critères de choix sont différents selon qu'on a affaire à l'environnement certain ou à l'environnement incertain. Oui. Je vais rapidement commencer par l'environnement certain. Alors, quand on parle d'environnement certain, c'est un environnement que peut contrôler l'entreprise. C'est-à-dire, il y a des éléments que le chef d'entreprise peut contrôler. Par exemple, il peut quantifier les produits, oui. Il peut quantifier les charges, oui. Il peut même faire une espèce de tracéologie de la manière dont les ventes vont se produire, oui. Vont se réaliser. Il se trouve donc que cet environnement certain nous dit qu'il y a quatre critères de choix. Oui. Le premier, c'est le critère qu'on appelle la valeur actuelle nette. Elle nous permet d'apprécier globalement la création de valeur générée par le projet d'investissement, donc la valeur actuelle nette. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle l'indice de profitabilité. Oui. C'est à peu près la production générée par unité de francs investi. Production générée par unité de francs investi. Okay. Si j'ai un franc, ce franc-là me produit combien, oui. N'est-ce pas? Alors, l'indice de profitabilité nous permet donc d'apprécier la production générée par franc investi. Oui. Quand cette production est supérieure à 1, ça veut dire que le projet est rentable. C'est-à-dire lorsque un franc nous produit plus qu'un franc. Par exemple, si je prends le cas, si on a un indice de profitabilité étant égal à 1,5, oui. On va dire que 1 franc investi nous produit 1,5. Ça veut donc dire que le gain généré par franc va être de 1,5 moins 1. Oui. Le gain va être de 0,5, oui. Par franc investi. Voilà donc l'indice de profitabilité. Oui. Le troisième critère, c'est le taux interne de rentabilité. Oui. On dit traditionnellement que c'est le taux qui nous permet d'annuler la vanne. Oui. La vanne, c'est le premier critère. Oui. Le critère de la vanne,
valeur actuelle nette, qui est un critère d'acceptabilité, l'acceptabilité, le critère de l'indice de profitabilité, qui est un critère de rentabilité, le critère du taux interne de rentabilité, qui est quoi? Un critère de rentabilité. Enfin, le critère du délai de récupération, qui est un critère de liquidité. Alors, il se trouve que lorsque quelqu'un se décide d'investir, il mobilise les fonds moyennant un minimum de rentabilité. Ce minimum de rentabilité, on l'appelle le taux d'actualisation. Il y a deux définitions du taux d'actualisation. La première définition, elle est un peu rébarbative, okay, mais je vais vous la donner. On nous dit que le taux d'actualisation, c'est une variable d'ajustement qui permet de rendre la valeur du franc isochrone et totochrone sur le plan diachronique. C'est-à-dire que la valeur du franc doit être égale, qu'on soit en T1, en T2 ou en T3. Ouais. Si vous n'introduisez pas le taux d'actualisation, vous ne pourrez pas comparer les différents flux générés par l'investissement d'une année à une autre. Ouais. Il faut d'abord intégrer le taux d'actualisation qui va vous permettre de pouvoir comparer le franc de l'année 1 au franc de l'année 2 et au franc de l'année 3 et éventuellement. Ouais. Donc ça, c'est le troisième critère. Donc, le quatrième critère, c'est le délai de récupération. Oui. Ce délai de récupération nous permet de calculer le temps nécessaire pour récupérer la mise de départ. Oui. Vous comprenez donc que plus il est bref, mieux c'est. Toutefois, nous pouvons être confrontés à ce qu'on appelle des amphigouries. L'amphigourie, c'est une aporie. Okay. C'est un terme aussi un peu compliqué. C'est une difficulté logique insoluble. Mais le manager doit pouvoir désambiguiser les apories. Il doit pouvoir trouver des éléments de réponse aux apories. Ouais. Et il y a des cas où nous avons des projets dont le délai de récupération est bref. Tout à fait. Mais qui ne sont pas rentables. C'est pour ça qu'on parle de projets à court, à moyen et à long terme. Par exemple, quand on a, ça se retrouve toujours de temps en temps, quand on a affaire à des projets mutuellement exclusifs, oui, quand on a le choix entre A ou B. Oui. Par exemple, on a les éléments de A, on a les éléments de B, mais on hésite. Oui. Quand on hésite, on pourrait par exemple être confronté à un projet A, par exemple, qui est un projet qui a un délai de récupération court, mais qui n'est pas rentable. Oui. Et un projet B qui est rentable, mais dont le délai de récupération est long. Ouais. Et là, vous êtes confronté donc à un problème, ce que j'ai qualifié d'aporie. Est-ce que vous allez préférer le projet dont le délai est bref, mais qui n'est pas rentable, ouais, ou le projet dont le délai est long, mais qui est rentable? Rentable. Oui. D'accord. On a parlé de l'environnement certain. Certain, voilà. L'environnement incertain. Alors, dans l'environnement incertain, on a l'habitude de dichotomiser, c'est-à-dire de le diviser en deux. Oui. Il y a l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Okay. L'incertitude absolue, c'est laquelle? C'est qu'on peut recenser les événements probables, mais on ne peut pas leur attribuer une probabilité. Oui. On peut certes les recenser, mais on ne peut pas leur attribuer une probabilité. Mmh. Alors, il y a donc des travaux qui ont été faits là-dessus. Quelqu'un dit, si on ne peut pas attribuer la probabilité, pour résoudre la difficulté, on va attribuer la même probabilité à tous les événements possibles. Possible. Ce raisonnement, c'est un raisonnement qu'on tient d'un auteur qu'on appelle Laplace. Okay. Il promeut ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Ouais. À défaut d'attribuer les probabilités aux différents événements, on leur attribue la même probabilité. Oui. Donc, ce raisonnement, il est critiquable. Oui. Alors, l'autre apport dans l'incertitude absolue,
C'est l'apport de Wall. L'apport de Wall. Oui. Lui, il est extrêmement pessimiste. Qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque projet, n'est-ce pas? Il va recenser les vannes les pires possibles. N'est-ce pas? Ouais. Il va classer le projet par vannes les pires possibles. Et on va choisir le projet dont la vanne la pire possible est la moins pire. On se comprend un peu, non? Tout à fait. Alors, on a aussi critiqué ce raisonnement. Ça, c'est le raisonnement de Wall. Oui. Alors, il y a un autre raisonnement. C'est le raisonnement du maximax. Okay. C'est l'inverse de Wall. Okay. Parce que Wall, lui, raisonne en termes de vanne les pires. Oui. Le maximax, c'est plutôt quelqu'un qui est extrêmement positif. Okay. Il se dit, même s'il y a une possibilité, moi, je vais réaliser la possibilité qu'on qualifie de l'anthropomaximologie. L'anthropomaximologie. Oui. Donc, la possibilité la plus anthropomaximologique. Oui. Dans la réalité, nous ne contrôlons pas l'avenir. Oui. Donc, on ne peut pas non plus raisonner en termes d'anthropomaximologie. Oui. Il y a eu une quatrième contribution, qui est la contribution de Savage. Okay. Lui, il propose ce qu'on appelle la matrice des regrets. Oui. On va classifier les projets par regret le plus élevé. Oui. Et on prend le projet dont le regret le plus élevé est le moins élevé. D'accord. Ça, c'est le raisonnement de Savage. Oui. L'autre raisonnement est le raisonnement de Urvic, qui introduit ce qu'on appelle un coefficient d'optimisme et de pessimisme. Optimisme et de pessimisme. Oui, oui. Ça, c'est pour altérer quelque peu le raisonnement de Wald et le raisonnement du Maximax. Oui. Parce que Wald est extrêmement pessimiste. Oui. Maximax est extrêmement optimiste. Urvic, lui, introduit le coefficient d'optimisme et de pessimisme. Il dit on ne peut pas être pessimiste à 100%, tout comme on ne peut pas non plus être optimiste à 100%. Donc, on introduit le coefficient d'optimisme. Si on est optimiste à 60%, on considère qu'on est pessimiste à 40%. Et on fait les calculs. Et là, on va aussi calculer un certain nombre de vannes et on va prendre le projet qui nous donne la vanne harmonique la plus élevée. Bon, ça, c'est le raisonnement de Wall. D'accord. Je pense qu'après ce cours magistral que vous venez de nous dispenser, je propose peut-être que nous prenions une toute petite boucle de respiration, le temps de revenir et de parler peut-être des limites, parce que c'est une théorie. Oui, parce que là même, je n'ai fait que présenter l'incertitude absolue. Oui. Il y a aussi l'incertitude relative. D'accord. Alors, on prendra en tout cas l'incertitude relative juste après la transition. Je vous en prie. Ouafrica TV, au-delà des idées reçues. D'accord. Nous de retour sur ce plateau. Alors, professeur, oui. Vous parliez de incertitude absolue et incertitude relative. Tout à fait. Et bien avant, vous parliez de l'absolu. Oui, oui. Qu'en est-il de la relative? Dans l'incertitude relative, là, le décideur a la possibilité d'introduire les probabilités. Oui. Parce qu'avant, nous n'avions pas cette possibilité-là. C'est la raison pour laquelle nous avons vu le raisonnement de Laplace, oui. De Wall, du Maximin, de Savage et d'Urvic. Oui. Ici donc, on introduit les probabilités. Alors là, ils partent d'une hypothèse assez simple. Oui. Lorsqu'il y a un événement possible, on introduit trois hypothèses. Oui. L'optimisme, le pessimisme et l'hypothèse médiane qui est entre les deux. Oui. On attribue les probabilités par rapport à ces trois hypothèses. Oui. Ça va donc nous permettre de calculer ce qu'on appelle les espérances mathématiques des vannes des projets. Okay. N'est-ce pas? Oui. Et quand on a un projet,
on prendra le projet dont l'espérance mathématique est la plus élevée. Okay. Alors, et là, autant dans l'environnement certain qu'on a d'abord vu, la vanne n'est pas un critère de rentabilité, contrairement à ce que les gens disent. La vanne est un critère d'acceptabilité. Parce que nous pouvons même le démontrer. Il y a des critères, il y a des projets qui ont des vannes négatives qui sont pourtant rentables. Oui. Donc, il y a plein de projets qui ont des vannes négatives qui sont rentables. Oui. Par contre, quand on est déjà dans l'incertitude relative, l'espérance mathématique de la vanne devient un critère de rentabilité. Alors là, dans l'incertitude relative, on doit faire un maillage de deux éléments. Okay. La rentabilité d'un côté et le risque, de l'autre. Que remarquez-vous? Le premier tir est inférieur au taux d'actualisation, c'est-à-dire 11,77 est inférieur à 12. Or, 12 représente quoi? Le taux d'actualisation. Si on prend la seconde définition du taux d'actualisation, c'est laquelle? Le minimum exigible par les apporteurs de capitaux pour accepter d'investir dans un projet. Ce minimum, il est de 12. Or, le tir 1 nous donne 11,77. Donc, normalement, le projet doit être rejeté parce qu'il n'est pas rentable. Au regard du premier tir, est-ce que le raisonnement devrait s'arrêter là? Non, on se rend compte qu'il y a un second tir qui est de combien? 416,55%. Ce tir est comment? Voilà. Dans la théorie financière, on parle de tir hippopotamesque, c'est-à-dire trop élevé. Alors, ce tir, bien sûr qu'il pourrait nous conduire à dire que le projet est très rentable, mais est-ce que c'est une rentabilité réaliste? Donc, est-ce que les projets les plus rentables sont forcément les moins risqués ou les plus risqués? Les plus risqués. N'est-ce pas? Donc, on va être contraint de temps en temps, ou bien on va être amené à faire des arbitrages, du couplage entre la rentabilité et le risque. Et le risque. On peut avoir 3 ou 4 projets concurrentiels, ou bien concurrents. L'un peut être très rentable, mais être très risqué. Risque, oui. L'autre peut être moyennement rentable et être peu risqué, ainsi de suite. Donc là, le choix va dépendre aussi de la philosophie du décideur. Il y a des décideurs qui vont vous dire, moi je promeux, n'est-ce pas, la sécurité. S'il promeut la sécurité, ça veut dire qu'il va essayer de tout faire pour ne pas prendre des projets risqués. Il y a d'autres qui sont riscophiles, qui adorent le risque. Qui adorent le risque. Oui. Ils vont se dire que tiens, puisque parfois, on va vous dire, la rentabilité par moment est une fonction croissante du risque. Oui. Plus on prend des risques, plus on est rentable. On peut être rentable. Oui. Mais la perte aussi peut être une fonction croissante du risque. Oui. Vous voyez donc un peu l'amphigourie, c'est-à-dire l'ambiguïté. Oui, l'amphigourie dans laquelle on se retrouve. Parce que je veux certes avoir plus, je peux tout gagner comme je peux tout perdre. Quand on est seul, il n'y a pas de problème. Oui. Mais quand on gère des actifs qui ne nous sont pas propres, qui ne sont pas les nôtres, vous voyez que le risque que l'on prend doit être mesuré. Donc, il y a des arbitrages qu'on est obligé de faire. Parce que si quelqu'un vient prendre des risques sur une fortune qui n'est pas la sienne, c'est un risque qui peut paraître démesuré. Oui. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire. Est-ce que ce calcul est utile à toute personne qui voudrait se lancer dans l'investissement? Non, ce calcul n'est pas utile à toute personne. Oui. Parce que en fait, il y a 2 modes raisonnementaux qui nous sont enseignés. Oui. Il y a le raisonnement analytique
qu'on appelle aussi le raisonnement isotrope. Oui. Que nous avons un cheminement scientifique qu'on doit respecter, donc la rationalité. Okay. Alors, ce raisonnement est critiquable. Oui. Pourquoi? Parce que l'être humain que nous sommes, par essence, l'être humain est lunatique. Oui. Il est ondoyant. Oui. Il est changeant. Oui. Ça veut donc dire que cet être humain, si vous voudriez rationaliser à tout prix sa démarche, vous allez aller droit au mur. Oui. Parce que l'être humain, il peut être de bonne humeur le matin, le soir, il a une humeur complètement différente. Oui. Et ces humeurs ont un impact au niveau de ces processus décisionnels. Oui. Oui. Alors, une théorie, ça a forcément des limites. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, pour revenir, en fait, un investisseur n'est pas obligé d'utiliser toute cette théorie. Oui. Dans l'environnement certain qu'on a d'abord vu, oui, qui nous présentait les quatre critères, oui, il y a un cinquième critère. C'est un critère adjuvant, mais qui n'est pas reconnu par la communauté scientifique. Qu'on appelle le TRC, oui, le taux de rentabilité comptable. Taux de rentabilité comptable. Oui, ce taux-là, c'est quoi? Il est utilisé par les experts comptables. Oui. Comme eux, ils ont l'expertise du marché. Oui. Ils se disent que pour telle catégorie d'investissement, la rentabilité minimale devrait être celle-ci. Oui. On prend donc cette rentabilité minimale, on y ajoute quelques points. Si la rentabilité minimale est peut-être de 15, on se dit peut-être, compte tenu de l'inflation, et du caractère sinusoïdal de l'économie, on ajoute peut-être 4 points ou 5 points. Donc on peut partir de 15 à 18 ou 19. 19 devient le taux d'actualisation. Oui. Ce 19, on ne l'a pas trouvé à travers des calculs. Oui. C'est l'intuition. Et les limites. Les limites de la théorie de l'investissement. Oui, l'intuition déjà qui peut nous conduire à nous dire que nous n'avons pas besoin d'utiliser le MEDAF pour calculer le taux d'actualisation. Oui. Nous pouvons nous fier aux expériences ou aux expérimentations des praticiens qui sont sur le terrain, qui maîtrisent l'économie. Oui. Et on se fie à ce qu'ils nous disent. Okay. Voilà à peu près les limites. Et puis, je puis aussi vous dire que par rapport aux quatre critères qu'on a vus précédemment dans l'environnement certain, on n'est pas obligé d'utiliser ces quatre critères à la fois. Oui. Le décideur peut se dire, moi, je privilégie plutôt le critère de la vanne au dépend des autres critères. D'ailleurs, même, il y a des travaux d'un auteur qu'on appelle McGraham qui ont été réalisés dans l'environnement américain qui montrent que les trois quarts des entreprises américaines utilisent le critère de la vanne. Les mêmes travaux ont été faits en Grande-Bretagne qui montrent plutôt l'inverse par rapport à l'utilisation du critère du tir. Oui. Les entreprises britanniques utilisent plus le critère du tir que le critère de la vente. En France, c'est moitié-moitié. 50% approximativement pour l'utilisation de la vente, 50% pour l'utilisation du tir. Par contre, des travaux asiatiques qui ont été faits montrent que les entreprises asiatiques, entre guillemets, quand on parle d'Asie, principalement c'est la Chine, la Corée, le Japon. Utilise plutôt le critère du délai de récupération. Okay. Parce que le délai de récupération est un critère de liquidité. Ils se disent que nous ne connaissons pas ce qui va se réaliser dans le futur. Nous allons privilégier les projets dont le retour sur investissement est rapide. Et les entreprises camerounaises? Honnêtement, c'est une invite aussi. C'est la raison pour laquelle, j'ai souvent l'habitude de dire à mes thésards que nous devrions être autotrophes, créer notre propre science, n'est-ce pas? Il faut qu'on arrête à emprunter, n'est-ce pas, des choses qui viennent de l'extérieur. Si quelqu'un se décide aujourd'hui d'essayer de voir quels sont les critères concrets, n'est-ce pas, qui correspondent à notre économie, qui est majoritairement informelle, moi je vous dis qu'il y a des pistes de réflexion là-dessus. Malheureusement, nous sommes dans un environnement
où le gallicisme, c'est-à-dire l'amour exagéré de tout ce qui vient de l'Occident, où le gallicisme est promu. Pourtant, il ne devrait pas être promu. Nous avons des intelligences ici. Ouais. Vous qui êtes la jeunesse, vous êtes intelligent, vous êtes dynamique, vous êtes pétulant. Ouais. Il faut tout simplement qu'on vous donne la possibilité, n'est-ce pas, de montrer ce dont vous êtes capable. Chers téléspectateurs de Wafrica TV, voilà donc ce qui a été dit de la théorie de l'investissement. Rappelons qu'au-delà de la théorie, il y a le terrain qu'il faut concilier parce que le professeur l'a dit, ce sont des pistes de réflexion à explorer, que ce soit au Cameroun ou même partout en Afrique. Merci infiniment pour ça. Je vous en prie, cher ami, et encore merci. J'espère que nous aurons la possibilité ultérieurement de développer un certain nombre certainement, de choses. Certainement, certainement pour ça, certainement. Merci. Restez en compagnie de nos programmes, chers téléspectateurs. À très bientôt.